Alors ça c'était le tout début, c'est comme ça que c'est parti. C'est une répétition qui a lancé le groupe, donc c'était en 2002. Et tout de suite après, je crois que tout le monde a pris plaisir à danser et se rencontrer. Et nous avons créé l'association et nous avons décidé de créer vraiment un groupe folklorique plutôt que juste des copains qui dansent. Et très vite on s'est aperçu qu'on avait besoin de costumes. Parce que sans costume, vous avez bien compris que faire de la danse, c'est pas très chouette. Et donc nous avons fait tout un travail de recherche. Et c'est vrai que dans la région, il n'y avait pas grand chose en termes d'archives et en termes de costumes. Et nous avons fait une rencontre formidable. C'est Marlise. Et Marlise et Jean-Paul, qui nous ont en 2004. Levez-vous. Hein, ouais, si. On va les appeler très fort. Et c'est grâce à eux que nous avons pu créer et confectionner, c'est eux qui l'ont fait avec leurs mains, les costumes que vous allez voir maintenant, qui était donc notre costume, qui était véritablement notre carte d'identité. Ce costume un petit peu atypique, parce qu'effectivement, il n'a certainement jamais été porté comme ça. Simplement, il est pas complètement juste, mais il est surtout pas complètement faux. Hein. Et c'est ça qui est important. Et on va vous présenter maintenant, dans cette première partie, ce costume, qui est donc notre véritable carte d'identité, grâce à Marlise et Jean-Paul. Merci encore beaucoup. Et c'était en 2004.